Je vous souhaite une très belle année 2024. Et cette année, c'est depuis Marrakech que j'ai le plaisir de vous partager mes voeux. Depuis Marrakech, puisque nous sommes de retour du désert marocain depuis presque 20 ans. Chaque année, j'ai l'habitude de terminer l'année dans le désert marocain. C'est vraiment un endroit pour moi de ressourcement. Et c'est un endroit où je suis parti avec tout un groupe pour méditer, développer sa vision pour cette année aussi qui se prépare. Et malgré toute l'authenticité des vœux que je vous souhaite, je sais aussi combien ce qui nous arrive à l'extérieur est souvent le fruit de ce qui nous arrive à l'intérieur. Et bien sûr, on peut se souhaiter, et je vous souhaite la santé, l'abondance, mais on sait que ce qui nous arrive dépend vraiment de nos croyances, de notre posture. Et dans cette période, après cette année qui s'est terminée assez agitée, je vous souhaite avant tout de vous faire confiance. Je vous souhaite d'honorer votre âme, d'être vraiment en lien avec la partie la plus profonde de votre être, avec votre joie intérieure, avec votre enfant intérieur, de façon à considérer combien la vie est précieuse et combien, pour paraphraser Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. Et plus on est en lien, plus on est en phase avec notre âme, plus les épreuves, les obstacles ou simplement les événements qui nous arrivent sont des opportunités d'évoluer, de grandir, d'ouvrir notre cœur. Alors je vous souhaite tout au long de ces 365 jours de trouver en vous la foi, les ressources, l'amour et l'humour. Moins on se prend au sérieux, plus on arrive à voir la beauté de cette vie. Belle année 2024, je vous embrasse.